Et salut à tous les amis, je suis Gultur Barbefer avec cette petite danse tranquille du swag absolu. Voilà. Ouha! On se retrouve pour la suite de Destiny 2, hein, un jeu qui s'annonce très très bon hein, pour l'instant. Après de ce qu'on a vu, il faut voir la suite. Mais pour l'instant, c'est super. C'est vraiment éclaté dans le, En plus, ce qui était le tutoriel, hein, donc j'imagine maintenant qu'on va s'amuser encore plus. Pour résumer, on avait fui hein, notre planète, hein, enfin notre zone, notre ville plutôt, pas notre planète, mais vraiment la ville dans laquelle on était, parce que des grands méchants étaient venus tout péter. On a perdu nos pouvoirs. Là, on va récupérer, on va aller vers une zone là, pour aller voir ce qui se passe un petit peu, pour essayer de récupérer ce gros truc là. Enfin, pas récupérer ce gros truc, j'imagine, mais enfin récupérer un truc là-bas, qui est l'éclat du voyageur, apparemment un truc qui est tombé là il y a, je sais pas combien de siècles et de siècles et de siècles, et on a récupéré le fusil à pompe! Le fusil à pompe, oh yeah! Et on va s'amuser un petit peu avec. Parce que fusil à pompe, quoi. Même si on a la meilleure arme du jeu, qui est le coup de poing dans la gueule. Hein? On a arrachage de temps. Betreten verboten! Ça, c'est de l'allemand. Accès interdit, j'imagine. Dangereux, je sais pas, bref. Il n'y a pas de truc à ramasser. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça, c'est le seul point pour l'instant que je trouve un petit peu dommage dans le jeu. Ça nous donne pas envie d'explorer en fait, parce qu'il n'y a rien qui traîne à droite. Merde, faut que je me mette. À droite, à gauche, vous savez, genre des armes, du stuff, de l'équipement, des trucs qui te donneraient envie d'explorer un peu. Putain, mais c'est tellement stylé. Bah, vous allez pas arrêter de m'entendre le dire, hein, ça. Mais il faut avouer que voilà, quand même, c'est. Donc maintenant, on est dans Fallout. Hein, voilà. On va essayer de récupérer un petit peu de voilà de capsules dans les voitures. Un steam pack. Putain. Bon allez, on va avancer un peu. Ah! Par là, j'imagine. Je vois que si on peut monter. Ouais, sûrement. Bon, ça va, on saute tranquille. Très bien. Bien, bien, bien. Oh, on en avait vu pris plein la gueule hein, dans la précédente vidéo, dans la toute première. C'était vraiment beau, hein, vraiment. Ah, oui, j'allais dire quand même. Quand vous aurez atteint l'autre côté. Osorn ? Osorn, est-ce que vous nous recevez ? Osorn, comment il appelle ? Le signal IHS. Sans déconner ! En même temps, t'as vu dans quelle grotte on est ? C'est même pas passé sous un tunnel là ! C'est faire de la spéléologie à ce stade. Bon, bon. Avançons, avançons. Hein. Ah. Oh. Est-ce que vous nous recevez? Youh. Bluff. Aïe. Nous sommes attaqués. Via pompe, sérieux? Le pompe. Alors, t'as fait moins les malines? Viens là, viens, viens, viens. Tiens. Regardez-moi ça, ça fait tellement mal, les coups de poing dans la gueule, sérieux. On dirait en fait, j'en avais parlé déjà dans la bêta, mais la vidéo bêta, mais on dirait un petit peu le coup de couteau, vous savez, qu'il y a dans tous les jeux de FPS. Des charognards d'un autre monde. Ils vouent un culte aux machines. Ah, d'accord. Bah là ils vont pas vouer un culte à quoi que ce soit hein, vu qu'ils ont pris quand même une bonne décharge de visapombe dans le cul. Ah bon, faut recharger. Sclink, sclink, sclink. Putain, mais j'ai plus que 4 balles. Ah bah non, on va changer d'arme. Pour des clodos, on va pas utiliser le... Ah, elle est dégueulasse celle-là. Alors oui, parce que j'ai regardé un petit peu tout à l'heure pendant que voilà, en attendant que je fasse les trucs de vidéo d'Anila. Donc en fait, il y a 3 catégories, donc ça c'est ce que je disais, mais c'est pas du tout les catégories que je disais. En fait, il y a les armes cinétiques, les armes énergétiques et les armes puissantes. Voilà, c'est ça exactement le vrai nom, on va dire, des trucs. Donc ça, c'est notre puissance, ici, notre puissance de stuff. Et là, des monnaies à la con. D'ailleurs, j'en ai 375, je sais pas pourquoi. On a des éclats légendaires et de la poussière brillante. Ok. Et ensuite, tout notre stuff ici, voilà. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça, des trucs de clan, sûrement de guild ou autre connerie dans le genre. Trouver un moyen d'atteindre le fragment du voyageur. Donc là, on a l'arme énergétique, cinétique, je sais plus. Bon, j'ai déjà oublié, voilà, bref. Mais vous le savez. Vous avez lu. C'est des gemmes? C'est des pierres précieuses. Ah non. Ah non. On aurait trop dit, vu de là, on aurait dit des pierres précieuses en fait. Mais non, pas du tout. Ah, un coffre. À moi! Encore de la monnaie.
et des... et une arme. Arme cinétique. Donc il faut que j'arrive à mémoriser. Cinétique, c'est en premier, c'est ça? Oui. Donc on peut prendre. Eh ben voilà, fusil automatique, mais parfait! C'est ça qu'on veut, madame! Jouis viseur. Trois moyens d'atteindre le fragment du viseur. Mais j'y travaille! Laisse-moi un peu. Je profite des décors. Allez, allons chercher le fragment. Le fragment du voyageur. Nous y sommes. C'est exactement comme dans notre vision. Comment t'as vu ma vision, toi? C'est par là que tu parlais? Oui, on dirait. Ça, c'est bien aussi qu'ils aient mis la verticalité dans les décors, j'aime beaucoup. Pas que des trucs en mode horizontal, t'avances comme un con. Pas très accueillante cette forêt, hein. Je veux pas dire, mais. Ok, bon, un vaisseau s'est écrasé. C'est quoi ça? Oh, je vous ai vu. Oh, elle est bien cette arme. On a gagné des gants juste en tuant les gens? J'ai pas compris. Pas des brassards. Bonjour. Ah, on a récupéré une arme aussi. Je t'ai vu, hein. Je sais que t'es là, voilà. Philippe! Vite, c'est que je te bute, enculé! Alors. On a ramassé des brassards. Voilà, mais ça clignote en fait. C'est trop bien, il y a des petits trucs qui clignotent. Brassard. Attendez, mais il est meilleur? Oui, forcément en même temps. 10, 24, ok. Ok! Putain, je suis dégoûté d'avoir pris le casque à tous les coups, on va looter un casque, putain! J'aurais dû prendre l'arme. Chier. Tout à l'heure, ouais, enfin je dis ça, mais tout à l'heure, voilà, dans l'épisode précédent, on avait récupéré des récompenses auprès du PNJ, hein, Louis la Brocante et l'autre là. Et j'ai pris le casque comme un con, en fait. Je croyais que c'était les loots qu'on pouvait avoir, et en fait, il fallait que je choisisse une récompense et j'aurais dû prendre l'arme. Te chercher, je sais que t'es là. On peut pas. Ah putain. Comment ça? D'accord. Je l'ai tué alors. Ok, donc je croyais qu'il était là. Bonjour. Apprendre à viser. Et barrez-vous avec vos lances. Ouais, tiens. En fait, c'est ouais, c'est des corps à corps. Ah mais je gagne de la monnaie en les tuant. Plus 80 en haut à droite. Putain mais de la monnaie on en gagne quoi? En faisant des quêtes et en tuant les monstres, c'est ça? J'imagine. J'imagine. Putain comment ça... Comment ça... C'est lumineux que... Et 2 secondes, je regarde le... Aussi lumineux que ça en peut plus. J'ai tiré dans le pied, une balle dans le genou. Pas dans ta gueule. Ça me fait penser au truc là, genre feu de l'amour et tout, où t'as la moindre bougie qui... Mais merde! Qui rayonne comme c'est pas permis en fait. Tu sais, voilà, avec du lance flare dessus à mort. De bonnes séries de merde. Enfin, je dis ça, pareil, y'a des gens qui regardent, hein, mais bon, voilà, quoi. Faut quand même avouer que... C'est pas fou. Hein? Mais en plus, j'ai même pas de grenade, c'est trop chiant. J'ai rien en fait, je suis vraiment à poil quoi. Vous perdez vos pouvoirs en fait, vous perdez tout. Putain mais ça, c'est oui, les cailloux ils volent en fait. Ah, bizarre ça donne non. Et ça le fragment du voyageur c'est quoi? C'est... Oula, j'ai soufflé dans mon micro comme un connard. Ah tiens. Ah, fanion de réfugié. Fanion du réfugié. Ah mais on en a ramassé plein, 10, 25. Ah mais non mais c'est, oui c'est les trucs qu'on avait... Comment on fait pour les jeter? On peut pas les jeter. Oh là là, oh là là, oh là là!
Heureusement, ils sont quand même faibles. Nouvel objectif. Madame la montre religieuse chef. Par contre, tu sais se TP quoi. Aïe! Je te vois. Bon, les coups marqués en jaune, c'est les critiques. Donc, j'ai remarqué. Quand on les touche, là, on a des 20, 20, 24, il y en a. Et des fois, on a un 60. Oh, mais là, mais oh! Vous êtes combien là? Bah, attends, salope. Là, saloperie là. Ok. Ah, on a ramassé un nouveau flingue. Et nous les avons fait fuir. On les a fait fuir, je sais pas trop. Ah oui, en plus ça remplace le truc de merde. Emmenez-moi jusqu'au fragment. Mais mais 2 secondes. Laisse-moi prendre mes armes, putain. Donc du coup ça c'est quoi alors? C'est un morceau de la planète qui a été jeté, enfin le truc mécanique là, un peu bizarre mais bon. Oh, je suis dégueulasse avec cette tenue. Youhou. Voilà pourquoi nous sommes là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi proche de la lumière du voyageur. Ah, il y a un résidu de... Accrochez-vous. Ah, on récupère nos pouvoirs. D'accord, donc il y avait un fragment du pouvoir de l'autre qui était ici. La lumière est de retour. Nous sommes de retour. Et c'est reparti. Et on en avait juste assez pour nous, en fait. Hein, voilà, démerdez-vous les autres. Bon, enfin bref. Sentinelle, doctrine de Titan. Nouvel objectif. Utiliser la lumière. Ah. Ah, on a récupéré les grenades. Parfait. La lumière. Supercharge. Accrochez-vous à votre casque. Encore? Tu vas fermer ta gueule. Ah. Supercharge. Ah, on a récupéré le bouclier. Oui. Ça, c'était trop bien le bouclier. America. Fuck yeah. Bouclier. Oh non, c'est déjà fini. Ah la lumière là. D'accord, faut qu'on récupère ça dans... Ok d'accord, ok c'est un truc où... Ouais d'accord, ça marche. Bump. Ouais. Dans ta gueule. C'est trop stylé ce pouvoir. Ce pouvoir est vraiment trop stylé. Où sont les méchants? Hop, on va charger. Ah, on a notre jetpack et tout. Ah oui, c'est stylé. Ah, c'est trop classe. J'ai plus de pile, heureusement. Ah ah, putain, ouais. Tellement la classe. Ah, bon, je suis bien content. Ça, je suis content parce que c'était dommage de le perdre. Oups. 2 secondes. En fait voilà, c'est vous RPG encore. Oups, tiens, ça c'est cadeau. Merde, je me suis fait péter à moitié. Oh, c'est normal, c'était un grenade jump. Par contre, je fasse gaffe quand même. Je vais essayer de faire le tour quand même. Pas avant d'être trop faire trop. Punk. Oh non, mais oui, d'accord, bien visé en fait. Level 2. Ta-da-ta-ta-da. Oh là là, la classe! J'aime beaucoup, putain, c'est tellement jouissif! Le super pouvoir! C'est fait pour, hein, vous me direz, mais bon. Oh, ils ont capturé des. Non! Ils ont capturé des petits. Comment ils s'appellent? Dans Portal, là.
On a même pas le temps de faire quoi. Ok. En mode cassez-vous. Bon, on a récupéré plein de choses, hein. Faut que je regarde, mais on a récupéré au taquet des trucs. J'ai vu qu'on avait récupéré des armes, des trucs, des... Et un casque, je crois d'ailleurs. Ça, bon, ça c'était couru d'avance. J'aurais dû prendre le weapon. Mais c'est pas grave, hein, c'est le début. Bon, ça charge 30 ans là quand même, non? Allez, maniez-vous le cul! J'ai envie de retourner sur des planètes, stylées, mec. Bon, là, je suppose qu'on va retourner dans l'espèce de hub central, hein, dans le truc là où il y avait tout le monde là. Pour les rendre la quête et pour dire que c'est bon, on a récupéré nos pouvoirs, qu'on va latter des culs. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ah oui, d'accord. Oh mon dieu, le peuple. Ok. Ok, ça y est, je commence à ramer, le jeu est passé en 15 FPS quoi. Bon, on a quoi? Forte tête, mais je vais jamais changer mon truc par un pistolet de... Non, je garde mon fusil automatique. Par contre, on a récupéré quoi là? Notre fusil à pompe. Oui, qui est bien meilleur. On a quoi? Casque. 21. Et voilà, mais je le savais qu'on allait récupérer... Ah non, c'est pas le même. Bon, ça va, on a gagné 1 de puissance. Mais j'en étais sûr qu'on allait récupérer, fait chier. Bon, il manque encore les bottes à changer, ça marche. Bon, il y a beaucoup de monde, hein. Alors, tout le monde est apparu. Donc on a un truc bizarre là-bas au fond. Un truc là. On a deux trucs ici. Bon, on va aller voir tout ça. Bon, lui, on connaît, c'est le représentant de la poste, là. Qui êtes-vous? Responsable de l'épreuve. Raté. C'est vous. Nous étions côte à côte pendant que la tour brûlait. Ah oui, c'est oui, il est trop stylé lui. C'est celui avec la grosse épée dans le dos. Et sur cette voie, j'aperçois de nombreux combats à mener que vous seul pourrez gagner. L'épreuve du seigneur Shax vous préparera au combat. Ah, mais c'est du PVP. Votre chemin dans mon arène, écrasez-le. Non, je veux pas, je non. Brisez sa lame. Non. Si un arcaniste vous parle, faites-lui ravaler ses paroles. Ah, j'aime bien toi. Toi, t'es bien toi. Vers la victoire, gardienne. On se reverra sur le champ de bataille. Non, 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 mais c'est bon, c'est bon. Non, non, on va pas savoir. Non, non, non. Récompense de faction. Terminer des parties. Quoi? 180 de puissance. Contient un objet de faction ainsi que des revêtements de faction et une récompense supplémentaire. Gloire de l'épreuve. What? Ah oui, non, mais c'est niveau 15! D'accord! Ok! Ouais, non, c'est pas pour nous. Non, 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 non et non. Vous revenez, Titan. Ta gueule! Toi, t'es qui, toi? Armurier. Voici ma gardienne préférée. Récompense de faction, quoi encore? Démantelez des équipements rares ou légendaires pour obtenir de matériaux! Et des récompenses de niveau 20! Hein? Ah non, encore des trucs niveau 15. Mode de rechargement. Oh, je comprends rien. Y'a plein de bordel. Oh, un lance-grenade. D'accord. Donc, faut... Ah oui, mais voilà, je peux péter les armes qui m'intéressent pas. Parfait. Équipement. Mais c'est quoi ça? Acquérir. Ah mais non, mais c'est pour acheter. Ah oui, non, mais c'est là. Non, mais je veux pas acheter ça. Comment on fait pour péter des trucs? Ouvrir le menu personnage. Non. Comment on... La guerre rouge, parler à Shax. Ça c'est quoi? Non, ça c'est tous les amis que... Ok. Comment on... Fuck. Non, je veux rien acheter. Comment on pète les objets? Non. Comment on pète les objets? Les cibles ne savent même pas que ce sont des cibles. Affiché sous-menu. Statistique de l'équipement. Affiché sous-menu. Sniper Wolf. Ah oui, ça c'est les emotes. Ça c'est mon vaisseau, ça c'est j'ai d'accord des véhicules. Ah putain, on aura des véhicules aussi en plus. Et des auras, waouh. Non mais non. Comment on fait pour mec il pète un câble. Ah, démanteler. Ah, on peut pas tout démanteler. Voilà, d'accord, ok. Boum.
Boum. Mais si on peut tout démanteler, mais voilà. Mais c'est parfait, on gagne plein de trucs. Ok, d'accord. Très bien. Ça marche. J'ai compris. Ok. Bon, on pète l'autre fusil à pompe. Tout ce qui est moins bien, on va les péter, on va pas se mentir. Hein. Ouais, non, ça c'est de la merde. Ça, ça dégage. C'est de la merde. On garde nos fusils d'assaut. Chaque jour qui passe, l'épreuve devient plus difficile. Voilà, on a plein de monnaie. Money. In the richest world. Détail. Afficher les jambes. Ah, on peut débloquer ça. Ah oui, on a un point. Un point d'amélioration. Ah, on le voit avec le bouclier là sur la droite. Tellement classe. Créer une grande barrière qui permet de renforcer votre position. On fera une couverture. Ah, mais voilà, ça aussi on l'avait. Ta-da! Comment on débloque le reste? Ah merde, mais je pouvais débloquer ça! Ah non, faut niveau 3, faut niveau 5. D'accord, oui, non. Okay. Barricade de ralliement. Pendant que vous usez, recharge instantanément votre arme équipée quand vous vous abritez. Wouah! Grandement la maniabilité. Putain, mais on a plein de trucs à débloquer après, c'est fou! Pour tous. Ok, d'accord. Okay, on peut améliorer après notre petit robot qui nous suit donc. D'accord, ça marche. Vendu. L'autre a obtenu un modulaire, putain, il y a plein de gens qui bossent, qui font des trucs de fou, apparemment. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Hop là. Doink. Il y a toujours des mecs qui se mettent sur les trucs en hauteur, là. Ils sont en train de branler de leur vie. Eververversum. Eh bien, vous pensiez que dans cet enfer, Eververversum allait fermer boutique? C'est impensable. Nous avons le choix ici, abandonner et renoncer, ou nous relever, enlever la santé et affronter l'inconnu. Avec style. Même dans les pires moments, si vous avez de l'allure, vous vous sentirez bien. Cette voix est tellement stylée. Il aurait besoin d'un peu plus de glamour. Sinon, que peut faire Eververversum pour vous aujourd'hui? Bah écoute, je sais pas. Trading Corporation. Nous avons peut-être perdu une bataille, mais Tess n'est pas prête à s'avouer vaincue pour la guerre. Rendez visite à Tess pour consulter et acquérir des objets cosmétiques et de rares marchandises. Mais bien sûr, je veux bien. Interaction. What the fuck? Non mais c'est quoi ça? C'est de l'argent réel? Argentum. J'espère qu'il n'y a pas de microtransaction, ça va me gonfler. Hein. Attention, hein. Faites pas les cons. Hein. Pour l'instant, le jeu est très bon. Hein. Si vous mettez un truc de transaction, je vais m'énerver, genre vite. Bon, faut qu'on aille voir l'autre là-bas pour lui rendre la quête. Non mais toi, c'est bon, hein. Chimiste, mes couilles. Attendez, on va lui reparler quand même, voir. Je sais pas trop, Argentum, là, ça me plaît pas. Et maintenant, je vous souhaite bonne chance dans les batailles à venir. Le voyageur vous a choisi. Aucune marchandise, donc on s'en bat les couilles. Okay. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ok, bon, allons rendre la quête. La quête. Non, c'est la guerre, Coltor. M'en fous, la quête. Bon, toi. Chantis Girl. Vous avez retrouvé votre lumière. Eh ben alors. Je sais pas comment vous avez fait, mais tant mieux, parce que nous allons en avoir besoin. Putain, tu pourrais pas être un peu plus heureuse? Vivant au dehors, et ils ont besoin de notre aide. Nous devons faire savoir que le domaine est un lieu sûr. J'ai envoyé un type dans la ZME il y a quelques heures pour installer un réseau de communication. D'accord. Il s'appelle Devrimke. C'est un type bien et un sacré tireur. Mais ne lui répétez pas ça. Rendez-moi service. Okay. Allez lui donner un coup de main. Si tu veux. La vision du voyageur est devenue réalité et vous a permis de retrouver votre lumière. Ça, c'est cool. Grâce à ses pouvoirs, retrouver le camp est désormais encore plus sûr. Et non, c'est même pas vrai. Mais bon, bref. Il reste cependant des gens dans les terres, dans les territoires sauvages qui ont besoin d'un refuge. Les terres, voilà, les terres désolées. Aidez-les à atteindre le domaine. Partez à la rencontre de l'ami de Dauthorn, là, d'Evrim, en sélection la zone d'atterrissage nommée Trustland dans la ZME. Ça marche. Ah, j'ai l'envie de jouer. Donc on peut choisir un équipement, on est bien d'accord. Hein. Mais comment on fait pour voir par rapport à notre personnage qui pourrit ou pas? Il nous manquait des bottes. Mais voilà. Non, pas des bottes, des jambières. Oh le piaf! Le piaf! Everybody to the flop! Il est en mode trigger, le piaf. Bon, on va prendre les bottes. Hein. Allez. C'est un bon choix que vous avez fait. Ah, mais je peux prendre d'autres trucs? Mais comment je peux en prendre? Je pense que c'est un bon choix.
Voilà, salut. À une prochaine fois. Règle les problèmes avec ton piaf, hein. Il se passe des trucs. Donc les... Voilà, les bots. Voilà, parfait. Donc ça, je peux démanteler. Plam, dégage. Et donc là, on a ramassé un pistolet de merde que je vais démanteler aussi. Merci pour le pognon, hein. Qu'elle est con. Elle est stylée comme ça. On peut pas faire en sorte qu'on affiche pas le casque dans les options, comme ça. J'aime bien, j'aime beaucoup le personnage comme ça, il est vraiment stylé. Enfin stylé, bon voilà, l'armure elle est dégueulasse, mais c'est pas mal. C'est pas mal, on va dire. Donc voyons si j'avais raison. Donc ça c'est un arcaniste, on est bien d'accord. Ça c'est un... Ah non, un titan, d'accord. Ça c'est un chasseur. On va regarder un petit peu s'il y a vraiment beaucoup de titans. Donc tout ça c'est arcaniste, chasseur. C'est bien ce qui me semblait, hein. Là on a une arcaniste ou chasseur aussi encore, arcaniste j'imagine. Ah, des titans, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça, c'est peut-être un titan, ça peut être. Je sais pas. J'ai tout ce que vous voulez. Ouais, donc ok. Non, ça confirme ce que je disais, ce que je pensais. Donc, ouvrons la map. Et la quête est où? La quête est où? La quête est où? Non, attends. Dans la ZME. Comment on fait pour aller? Elle est où la ZME? Allô? Carte? Parler à Devrim. Vous cherchez quelque chose de particulier. Ça c'est le domaine bordure de la ZME. Ah mais c'est ça, ZME, zone morte européenne. D'accord, c'est là qu'il faut aller. Ah d'accord, on a la map maintenant. Ok. Ah moi je croyais que c'était que des planètes en mode YOLO quoi. Dans Trustland. Oui, non. Là. La guerre. Allons-y. ZME, zone morte européenne. D'accord. Non mais suivre. Mais comment on y va? Ah, il faut aller là-bas en fait. D'accord. Donc on a des points de trucs et puis on peut aller après sur la zone en question. Ça marche. Après, faire un petit peu de voyage. Voyage. Pour aller à la destination. Très bien. Bon. Allez, j'espère voir des trucs encore super jolis. Hein. Non, vraiment, ça régale. Ça fait tellement plaisir. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas eu un jeu comme ça qui me hype autant et qui me donne envie d'avancer. À part évidemment, je parle les trucs classiques genre WoW et d'autres jeux que je joue pour le plaisir. J'ai les Dark Souls par exemple. J'aime même faire des petites runs de Dark Souls de temps en temps. Par contre, ce truc en bas à droite, l'espèce de message me casse les couilles. Hein. Je sais pas comment on fait pour l'ouvrir ou truc ou quoi. Ouais, qu'est-ce là, mais ça m'emmerde. Ah. Bienvenue dans un monde en basse résolution. Même si vous avez vos pouvoirs, ne prenez pas la grosse tête. La ZME est difficile. Tout aux alentours du village. N'oubliez pas, c'est encore plus dur pour les réfugiés de la cité. Oui, bon, on a compris. Vous voulez les aider? Trouvez des Vrimke. On va le trouver, t'inquiète pas. Non, je vais pas passer la cinématique. Oh. Pourquoi ça me met pas? Ah oui, parce que j'ai appuyé sur le joystick. Ok. Donc là, on peut ressusciter, donc, maintenant. Ça veut dire que je vais pouvoir faire le con et sauter n'importe où. Non, je vais éviter quand même, mais... Faut que je trouve comment ouvrir ce truc de message en bas à droite, là, c'est trop chiant. Si vous savez, dites-moi-le en commentaire. Parce que là, cette deuxième vidéo, là, c'est... Je vais arrêter de tourner après celle-là, parce que je vais monter les épisodes et autres. Il faut pas non plus que je joue trop. Ah, mais il y a des gens! Strong. Oh là là, mais c'est quoi tout ce peuple? Oh mon dieu. Alors ça par contre ça risque de nous casser un peu tout. Mais bon c'est pas grave. Ouais. Baladons-nous. Défendez-le maître. Oui on va le défendre. Mais t'arrêtes de courir partout oui. Mais c'est quoi cette arme de merde que j'ai? Une équipe d'extraction de l'humaine. Éliminez-les tous. Participation à un événement épique. Waouh. Oh putain mais c'est... Ah oui mais on se balade carrément dans des zones. Avec des joueurs et je crois que je suis pas le seul à avoir compris la puissance du poing dans la gueule. Attends, on va reprendre le gros fusil à pompe. Oh mais c'est la merde. C'est la guerre soldat. Allez-y descendez juste pour voir là.
D'accord, donc il y a un petit aspect MMO. Par contre, le jeu qui... Oh là là! On va reculer. Hein. Petit aspect MMO, donc, comme je disais. Avec, voilà, des maps sur lesquelles hall. Mais meurs! Merci. T'as encore un casque, il fallait bien faire. Oh, mais ce bordel! Je sais même pas sur qui je tire! Putain! What the fuck? Niveau supérieur, point d'amélioration disponible. Regardez un peu pour vous, vous savez. Vous êtes clairement quelqu'un. Super chargé! Bon, là, on va y aller. Hein. Je serais honoré que vous pensiez la même chose de moi. Passez donc me voir. Ça c'est un gentil. Je sais même plus qui est gentil ni méchant. Tiens. Voilà. Prends le butin. Jetons de la ZME échangeable. Ça y est, on a fini l'event. Mais ça dure combien de temps? C'est à l'infini? Oh non, c'est nul, c'est l'infini. Ça veut dire que tu peux pex comme un bâtard dans la zone en mode... Pourquoi il a une tête de mort lui? Il est trop haut niveau, je pense. On a raté. Il est bien attaqué. Non. Ok. Ouais, donc c'est ça en fait. Il y a un petit côté genre MMO où il y a des trucs qui peuvent se passer dans les zones où t'es. Oh là, on est où là? Bah alors attends, parce que moi je veux. Ah oui, déjà on va s'occuper de ça parce qu'on a plein de trucs. On a ramassé plein de trucs. 21. 33! Oh my god. 24, 31. Ok. Non, mais ça c'est de la merde. Donc, améliorons le truc. Qu'est-ce qu'on peut débloquer? On n'a pas grand chose en fait. On peut débloquer ça. Ah non, on a un point d'amélioration. On peut débloquer ça, c'est tout. Explosion, la grenade projette un mur horizontal de lumière abyssale. What? J'ai pas trop compris, mais on va le prendre. On va tester. Donc la map. Ah oui, donc on a le truc de la quête sur la... Ah ouais, mais en fait on peut se balader où on veut. Putain, mais c'est génial. Il y a des ennemis. Tiens, on va tester ça là. Ah, ça fait une zone de flamme. Ça coupe le passage. D'accord. Ok. Bah ça marche. Très bien. Donc rentrons dans cette cathédrale. Donc on est arrivé par là-bas. Hein. Oui, voilà, c'est là où tout part en sucette. En fait, il y a des ennemis partout tout le temps. Mais c'est trop stylé. C'est une méga bonne idée ça. Vraiment? Faire en sorte que les que là où tu te balades soit un petit peu plus vivant en fait. Bon, comment on monte par là j'imagine. Allons faire cette quête. Et tout en haut. Bonjour. Ah oui, c'est le sniper quoi. De la visite. Et je n'ai même pas de thé à vous offrir. Les temps sont durs. Pas de soucis, Nathan Blake. Ancien du régiment, quand la cité existait encore. Désormais, je suis là pour servir Drake, ma chère amie Soraya Osorn. L'objectif premier est de contacter les autres réfugiés et de leur parler du domaine. Il faut donc bâtir un tout nouveau réseau de communication. Et okay. Même si j'ai la chance d'être un sacré bon tireur, les déchus me donnent du fil à retordre. Bah, j'imagine vous que vous vous y prendre avec l'ennemi, si j'ose dire. J'ai vu de quoi les gardiens sont capables. Bien, il est temps de laisser parler la poudre. Qu'en pensez-vous? Non, je laisse pas parler la poudre, j'ai des armes à rayon. C'est mec énergétique, juste pour faire chier. Alors, la guerre rouge. La guerre! Pardon, rouge. Devrim essaye d'installer un réseau de communication dans la région afin d'informer les anciens habitants de la cité dispersée dans les parages que le domaine peut leur fournir plus de sécurité ainsi qu'un sens de communauté. Mais cette tâche s'avère difficile avec les déchus dans les parages. Objet de mission.
coque de la ZME, coque de spectre. Détecte les coffres dans un rayon de 30 mètres. Oui, je veux. Ah, on choisit l'équipement. Donc on a quoi, niveau 4? Ah oui, non, c'est les gros trucs. Fusil d'éclaireur, fusil automatique. On va prendre le fusil automatique, je pense. Là, le casque, tu vas bien te faire foutre. On va prendre le fusil automatique. J'espère que ça vous aidera. Mais bien sûr, c'est gentil. Donc, il faut que je level up. Nouvelle aventure disponible. La nuit s'affaiblit, bas en retraite. Aïe. Nouvelle frontière, c'est quoi ça? Commencer l'aventure. Oui. Allons-y. Il y a une bannière au rez-de-chaussée. Pourriez-vous y jeter un coup d'œil? Mais c'est déjà fait. Maintenez pour ouvrir les destinations. Ouais, mais c'est bon. Événement public imminent. Ouais, donc c'est bien ça la map. Comment je fais? J'ai commencé l'aventure là. Trouver la bannière. Mais elle est là la bannière. Hein? Non? Peut-être pas en fait. Non, la bannière est là. D'accord. Ok, ok, j'ai rien dit. C'est bon, ça va. La bannière. Pardon? Ah. C'est le sceau d'une maison déchue. Mais je n'arrive pas à le reconnaître. Moi non plus. On dirait que les déchus ont installé ça comme une menace. J'imagine que vous allez trouver plein d'objets remplis d'histoires comme celui-ci par ici. D'accord. Pour commencer notre travail dans cette zone, il va nous falloir des ressources. Essayez de trouver une cage dans un des bâtiments à proximité. Très bien. Allons chercher une cage donc. Ok, trouver le coffre de la région. Oh, il y a des trucs cachés. S'il y a des trucs cachés dans les niveaux, ça va être un jeu. C'est pas bon pour moi. Vous connaissez ma collection est aiguë. Tout le monde met des pains dans la gueule. C'est trop fort le pain dans la gueule. Tu vas bien. Non, mais il y a des gens qui sont chauds aussi, j'ai l'impression, non? Le coffre est où? Il est là. D'accord, donc ouais, il y a des trucs cachés dans les. Oh là là, mais c'est trop bien! Excellent travail! Pour survivre, nous allons devoir profiter de chaque occasion qui se présente. Gardez les yeux bien ouverts pour trouver d'autres ressources dans ces territoires sauvages. Oh là là. Donc il y aura de l'exploration à faire. Sur le mur de l'église. Pourriez-vous aller vérifier? Il y aura de l'exploration à faire à droite à gauche pour aller récupérer donc les. Comment ça s'appelle? Les coffres qu'il y a dans les zones. Et ça c'est trop stylé. J'aime beaucoup hein, les petites chasses au trésor. Ça c'est quelque chose qui est bien dans les MMO hein, généralement. Pour donner un petit peu plus de contenu. Quand tu voilà, quand t'es un peu en mode où il n'y a pas grand chose à faire. Des petites chasses au trésor ou des petites énigmes, c'est toujours bien. Je crois que les chasseurs de la cité les ont disséminés un peu partout dans la région pendant leur mission de reconnaissance. Je pense qu'ils voulaient indiquer quelque chose de spécial ou de dangereux. Bah ça sûrement. Ou les deux. Allons voir. Voilà, bah oui. D'accord, donc ça montre des emplacements de trucs, de cachettes, j'imagine, de trésors. Je suis accroupi? Non, je suis pas accroupi, putain, j'ai l'impression d'être vachement petit d'un coup. L'histoire de cette région est fascinante. Je crois qu'il y a des tunnels et des grottes comme ça dans toute la zone morte. D'accord. Qui sait ce qui rôde là-dessous? Faites bien attention. Mais oui. T'inquiète donc pas. Comme je dis, j'ai l'arme la plus puissante du jeu. Voilà. Et la explosion nucléaire, tu sais. Trop de puissance. Bonjour. Ah oui, ça c'est trop stylé. Tenez, cadeau. C'est pas mal hein ce truc de feu là. Je me gratte bien. 2 secondes. Là. Je t'ai vu hein. Oh non, nul. Oh non, mais nul. Putain, ça par contre c'est pas cool ça. On va pouvoir tirer à travers les fenêtres. Les fenêtres en scénarium là.
Donc du coup, alors non mais c'est bien, ça, je suis en train de repenser là. En fait, moi qui disais que oui, il y avait pas des choses à explorer à droite à gauche et tout, mais si en fait, il y a des trucs à explorer du coup, mais pas dans les missions apparemment. Dans les juste dans les comment ça s'appelle ? Dans les zones de quête et conneries dans le genre. Mais ça va peut-être chercher sa merde. Ah, level up. Alors je vais regarder un truc, ça met pause. Ah oui, c'est trop nul. Ça met pause pendant que tu trucs. Alors. Ah non, mais ça met pas pause. Si, ça met. Je sais pas, non, ça met pas là. Je sais pas trop. Vous m'emmerdez, madame. Mais vous avez crevé, oui. Merci. Ce capitaine a laissé tomber un code d'accès. Je devrais pouvoir ouvrir sa cage. Code d'accès, pardon. Ah bon. Ah là. Oh putain. What? Gardez l'œil ouvert pour voir s'il reste d'autres cachettes et trésors. Mais ça, c'est pour un autre jour. En attendant, il faut qu'on discute de notre plan. Oui, on va discuter. Je vais tester un truc. Je mets de l'eau à ouais, d'accord, ça marche aussi. Très bien, alors. Équipement. Donc, on a le fusil qui fait 41 dégâts, ça, ça dégage. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ça, alors voilà. Donc, on a ça ou on a ça. Mais du coup, c'est pas la même chose, en fait. Il a une capacité spéciale, mais est-ce que ça change mes trucs de level? Non, d'accord, ça n'a rien à voir. Ah oui, j'ai un level up en plus, c'est vrai. Appuyer, sauter pour activer le hall contrôle, mais également la maniabilité. Ah, c'est pas mal ça, plus de maniabilité. Ben, je prends, de toute façon. Donc c'est bon, ça n'a rien à voir. Le... Merde, mais c'est un truc différent? Ah non! C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez. J'ai pas bien lu ou... Non, mais c'est le vol contrôle à améliorer. T'imagines? J'en sais rien. Je sais pas trop. Ça accroche aux ennemis, il explose deux fois. Mais je préfère ça, c'est mieux que le mur là. Bon bref. 56. Pff, ouais, ça y est, le stuff il commence déjà à partir en sucette. Ok, donc comment je fais pour ça? Je peux pas l'ouvrir ça, cette merde là qui me casse les couilles. Je sais pas. Ah, on a un nouveau truc de emblème. Ça change rien. On va le mettre. Ah, ça change le truc. Oh, pas mal. J'aime bien. Voilà, la couleur est plus sympa, donc on garde. Bah ok, bah écoute, ouais. Ouais. Donc notre petit robot là, enfin notre petit le truc qu'on a maintenant détecte les trucs aux alentours. Donc c'est bien, les trésors. Trésors. 30 mètres, je sais pas, c'est énorme, mais bon, ouais, voilà. Petit détecteur de trésors, c'est cool. Ah ouais, mais ça va me donner envie d'explorer tout l'univers, quoi. C'est bon, oui, des mecs level 20. J'arrive pas, hein. Fou furieux, quoi. Bah, faut repartir voir le monsieur. Très bien, allons-y.
C'est lui qui tire? Oui. Ah, hey. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ravi de vous revoir. Cette fois, je vous avais préparé du thé, mais j'ai déjà tout bu. Peut-être que si vous aviez été un peu plus rapide... Quel con. Ah oui, l'émetteur. Pendant votre bagarre avec les déchus, nous avons eu un léger problème. Osorn a placé le dernier relais dans la montagne au-dessus des mines de sel. Mais même à cette hauteur, le signal n'a pas la portée que nous espérions. C'est assez curieux. Quoi qu'il en soit, cet amplificateur de signal devrait résoudre tout ça, si on peut le lui faire parvenir. Ok. Dans la zone morte, évidemment. Mais oui, mais t'inquiète pas. Bon, prenons ce truc. Ah, et on choisit récompense. Non, mais on va prendre du stuff. On a déjà un casque, je crois. Hein. On n'a pas de bottes. Mais comment on fait pour... Ah, on... Mais non. Ah oui, voilà, on voit notre truc. Donc c'est ça, on n'a pas de bottes. Faut changer les bottes. Donc prenons les bottes. Utilisez ça avec précaution. Ah, on peut en prendre d'autres encore. On a quoi? Fusil à pompe. Fusil d'éclaireur, fusil automatique. 46. 41. Allez, on va prendre ça. C'est un bon choix. Attends, mais on peut en prendre combien en fait? On va prendre le casque, hein, du coup. Faites attention avec ça. Ouais, quand même. Zone morte européenne, nouvelles activités disponibles. Il se trouve sous l'ombre d'un fragment corrompu de voyageurs. Indiquez de nouvelles activités sur votre carte. Une mission pour trouver Hawthorne et lui faire venir en aide. Des aventures repousser les ennemis, des secteurs oubliés, des coffres de la région à trouver. Blablabla, 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 blablabla. Très bien, bon, on a plein de choses à faire. Nouvelle mission disponible. Ta gueule, deux secondes. 33-45, mettons le casque. Pour l'instant, on fait que mettre l'e-level au-dessus. Hein. Oui, j'appelle ça l'e-level, hein, faudra pas se mentir. 47, ah merde. C'est de l'e-level, hein, clairement. Hop, ça dégage. Ça, on garde. Ça, on démantèle pas, hein, du coup. On sait pas trop, hein, en fait. Hein. Endommagé. Donc, la ZME. Nous y voilà. En fait, il fait rien. Moi, oh, je vais le virer. Hein. Au fil des ans, j'ai assisté à des choses étranges sur le mur. Très bien. Et souvent à cause des gardiens. Ah là, putain! N'oubliez jamais qu'un lance-roquette n'est pas... J'ai reçu une invitation, c'est ça? Non? Comment? J'espère que vous avez l'intention de bouger. Répertoire, bannière de clan, chat et forum. Mais non? Personnage. Vous souhaitez discuter de quelque inventaire. Chose. Donc j'ai ces trucs là, les jetons de la ZME, paramètres, et on s'en fout. Non mais je sais pas à quoi ça sert ce truc en bas à droite. Tant pis. Niveau des quêtes. Quête. Là-bas. Attends, on a un coffre là, non? Je te vois, bestiole. Je crois que c'est un coffre ça. Ce symbole là. Je ne rêve pas. Ah non, c'est un truc de quête ou je sais pas quoi là. T'es gentil toi? Non, t'es méchant. T'es surtout costaud en fait. J'utilise toute une mission, tu sais. Voilà. Il a lâché. Ah, un coffre, carrément. Oh, merci. Munition puissante pleine. Jetons de la ZME. Changeable, ok. Alors, l'aventure. Comment c'est l'aventure? Puissance conseillée 20. Oui, c'est bon. Ok, Debrin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous allez m'aider à faire passer le mot. Nous émettons un signal depuis le domaine pour tous les gens qui ont fui la cité. Pour leur dire qu'ils seront en sécurité ici. Ouais. Et il faut s'assurer que tout le monde peut le capter. Où qu'il soit. Positionnez quelques amplificateurs de signal dans la zone pour lui donner plus de puissance. Ça devrait faire l'affaire. Nouvel objectif. Renforcer le signal. Allons-y. Allons renforcer le signal. Donc pour prévenir tout le monde que voilà. Non mais c'est ici juste. Déployer une valise. Je sors au cul. Ah non, d'accord, voilà, oui, c'est un petit truc. D'installer. On dirait que le signal est d'ores et déjà plus puissant. C'était rapide. Une petite minute. Je viens de repérer. Ouais, voilà. C'était trop simple. Aïe. Restez sur vos gardes.
Ah oui. Quelques ennemis qui arrivent, effectivement. Mais vous êtes où, bande de coups? Ah, c'est les vandales à buter, d'accord. Aïe! Mais qui me tire dessus? Là. Ou toi? Merde. Ouh, petit headshot qui vient passer. Éliminer ce capitaine sous l'église a sûrement dû attirer le reste des déchus. Il en vient toujours plus. Nous devons nous assurer que le signal est puissant. Vous feriez mieux de vous dépêcher pour installer ce deuxième amplificateur. Atteignez une zone dépourvue d'ennemis. Mais quoi, t'es en train de me dire qu'il faut que je me casse là? Oui. Bah allons-y. Salut! Salut! On a le moteur. On se casse. Aïe, 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 aïe! Mais! Ça suffit, hein! Ah, c'est cool de pouvoir se balader comme ça dans le décor, ça j'aime bien. Même si, bon, j'avoue quand même que les missions solo sont plus sympas. Bon, là il y a personne avec nous, donc ça c'est encore mieux. Putain, ouais, il y a plein de trucs. Vous faisiez toujours en sorte qu'on ne croise jamais un rebut. Pour nous protéger, pas vrai? Mais il y a un autre mot pour les endroits dont on ne peut pas sortir. Vous savez, là où il y a des murs très hauts et des gardes partout. Suraya, malgré tes exploits, la cité n'a vraiment rien d'une prison. Quoi qu'il en soit, le domaine n'a pas de mur. La porte est toujours ouverte. Alors aidons tout le monde à la trouver. Ok, gardienne? Hein? Quoi? Pardon, tu me parlais? Rien à foutre. D'accord, donc c'est là. Okay. Renforcer le signal. Okay. Énorme! Le mec est accroupi, genre il va pas me voir. Et moi j'arrive derrière, BAM! Coup de poing dans ta gueule. C'était énorme. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est une lumière. Ah, mais ça y est, maintenant je commence à voir des trésors partout. Alors que ça n'a rien à voir du tout. C'est pas du tout ce dessin là. Bref. Donc c'est ça, hein. Et voilà. Allez, mon drapeau. Début de l'événement en 3 minutes, t'es sérieux? Faut que je tienne 3 minutes là? C'est pas du tout chiant. Bon, tenez, ça c'est pour vous ça. Oh, je l'ai collé. Non mais en fait, fallait pas que j'aille ici, on est bien d'accord. Ah non, mais j'ai rien à foutre ici. C'est juste que j'ai activé un événement public là. Événement public. Événement public. Oui, c'est ça. Fait que j'aille là. Je reçois le signal amplifié. Il y a toujours des interférences. Je m'emmerde. Ces déchus sont vraiment tenaces. J'imagine qu'ils ont des dispositifs de brouillage à proximité. Et donc? Donc c'est pas bon? Il y a un truc là-bas. Pourquoi ça correspond? Un trésor peut-être encore? Non. Ah non. Ah mais c'est ça! D'accord, mais on y était tout à l'heure, il y avait rien. Ah d'accord, faut détruire les dispositifs qui sont en droite à gauche. Ok. Pas le péter. Donc, où sont les trucs brouilleurs là?
en a plus. Trouver des trésors. Bon, mais ils doivent être à chaque fois dans les bâtiments, j'imagine. J'imagine qu'il doit y en avoir un dans chaque bâtiment, peut-être. Ah ben voilà. Ok. Donc l'autre, on le voit d'ici. Voilà. On a pu voir l'événement qui va pas. Il n'y a plus d'interférence. 5 sur 5 ici aussi. Excellent travail. Excellent travail. Ça change un peu de voir une gardienne aider le commun des mortels. Mais il reste une chose à faire. Vous avez bien reçu ces coordonnées? Bien reçu. Après le tunnel, de l'autre côté du fleuve. Oh là là! J'ai laissé quelque chose là-bas. Oh là là, oh là là! Qu'est-ce que c'est? What? Oh! Qu'est-ce que. Tas de vaisseaux! Ça risque de devenir intéressant. Ça risque d'être compliqué aussi. Repousser les déchus. Oh mon dieu. Ah oui, voilà, on avait là ce truc de protection aussi. Hein. Ah, il faut protéger ça. C'est quoi ça? Ah non, faut monter. Ah non, ça c'est pour la quête. Non, non, non. Oh mon dieu! C'est méga stylé! Un world boss est apparu! Ah voilà, faut tirer sur les canons, faut détruire tous les armements en fait, j'ai l'impression. Vise Goldor. Parce que si on tire dessus là, ça le touche ou pas ça? Ah oui, ça le touche! Et le corps, donc autant tirer à l'arrache. Non, ça fait quand même plus de dégâts si on tire sur un. Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? On va se planquer un peu. Ah oui, mais voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il y a plein de gens là-bas. Oh, mon petit carton, c'est quoi ça? Stuff! D'accord, ça j'ai compris. Du coup, les petits éclats. À la con, c'est du stuff. Rester devant le canon, c'est peut-être pas une bonne idée. Ok, c'est bon. Je vais plus souvent ça aussi. Pour rester à l'abri tranquille. De la charge. Ah, pour les mettre dans les canons. Dans le truc. Déposer. Ok. Mais cassez-vous. Ta gueule. Voyons voir s'ils savent se battre sans armes. Attendez. C'est quoi ça? Oh, oh yeah. Ah, on fait moins la main. Un deuxième? Sérieux? Un deuxième? What the fuck? Mais c'est quoi tout ce. Non, mais il y a deux événements en même temps, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ramasser le 40 000. C'est bon, on en a eu un. En fait, voilà, on peut le ramasser autant qu'on veut en fait. D'accord, j'ai compris. Ok, ah non, pas autant qu'on veut, mais il y a plusieurs charges. Ça marche, ça marche. On les voit les charges. Ok.
Cassez-vous! Ok. Nous avons écrasé deux ténébrions et pris leur coffre. Quel travail exceptionnel. Ah. Et voilà. Le butin! Le butin! Le butin! Oh putain! Du butin! Du butin! Ah, il y a du loot. Ouais, c'est vraiment le jeu du loot, hein. De toute façon, on le savait déjà de base, mais ok, très bien. Bon, on a récupéré tout ce bordel. Faut aller par maintenant, par là-bas. Hein. C'est ça, faut aller récupérer le petit vaisseau. Non. Putain, mais dis pas qu'on pouvait prendre les trucs pour voler. Oh, oh mon dieu. Putain, mais c'est la méga classe, quoi. C'est Star Wars, maintenant. Putain, mais c'est trop bien! D'accord, on peut faire des dashs et on peut sprinter. Putain, on a vraiment des véhicules pour se balader! Putain, mais ça, c'est tellement bien fait! Nous avons presque atteint vos coordonnées au sort. Bien. Comme j'ai dû partir à toute vitesse, j'y ai laissé des provisions. Des provisions pour le domaine? Pour la cité. Mais quand vous avez été attaqué, j'ai tout lâché et j'ai traversé l'océan pour venir vous aider. Mais la cité n'en a plus besoin. Et ce serait utile au domaine. Osorn, j'ai une mauvaise nouvelle. Les déchus nous ont devancés. Très bien, oubliez les provisions. Éliminez les déchus et nous aviserons après. Bah avec le véhicule que j'ai, ça va pas être compliqué, hein. Donc on doit juste éliminer les déchus, c'est tout ? Ah mais dès que t'as les véhicules, tout ça change complètement, enfin je veux pas dire mais... Pas pour longtemps. Les déchus détestent qu'on interrompe leurs opérations de pillage. Ils vont sûrement contre-attaquer en force. Mais alors rendez-moi encore un service. Installez un autre amplificateur de signal, puis fichez le camp. Ça marche. Réapparition limitée. Ah, ils arrivent. Là, bande de cons! Je peux pas, genre. Tiens! Putain, j'aurais dû le faire depuis le début, ça! C'est tout? Pour le moment. Ah non, là. Non, mais ça en fait pas de dégâts, je peux pas taper là, c'est pas ça. Non, j'ai, en fait, je pense que tout à l'heure j'ai dû. On va voir. Mais... Ouais, non, en fait, j'ai dû le tuer et foncer dessus en fait après. C'est ça qui a dû se passer. On va voir là. Mais... Hein ? Et tir d'entrée, pas mal ça. Ah, si, quand même. Si, si, si. Ah, la fameuse boule de merde là. Où es-tu ? Oh putain. On dirait que j'ai le truc qui est beurré, tu sais. Où sont les ennemis? Là. Ah, attendez. On va prendre l'élan et... Je couche pas. Ouais putain. Non en fait non, j'ai pas l'impression que ça fasse des dégâts. J'ai pas du tout l'impression. Bon mais c'est bon. Ah non, il y en a encore. 76% des renforts, d'accord. Effectivement, c'est bien la bonne mission où tu dois sabater 10 millions de monstres. Bah, je ramasse tout, hein, vu que ça fait de l'argent, moi je suis le genre de mec qui ramasse même les objets blancs. Hein. Vous me connaissez, hein, sur WoW déjà je ramasse tout. Alors sur un jeu comme ça, où en plus c'est aussi simple de démanteler, t'as même pas besoin de voir un PNJ pour vendre des objets.
avez énervé, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ne lâchez rien. Je vais en lâcher. C'est con déjà. Voilà. Accueille les ZAD. Bon, maintenant toi. Ça tombe bien qu'on ait des munitions infinies quand même. Gueule en même temps. Arrête de tout TP, t'es chiant. Ah. Nous avons réussi. Ils sont partis. Les gardiens, ils sont pas partis. On les a défoncés. J'avais fini par l'oublier. Maintenant, nous savons qu'il y a des ressources dans la zone morte. Une fois que nous aurons repris la cité, ce sera très utile. Mais bien sûr. Ce que Suraya veut dire, c'est merci. Oui, j'espère, oui, quand même. Ouais, tous les deux. Il reste encore beaucoup à faire. Bon. Donc du coup, terminé ici. On n'a pas la carte encore, là ? Si, on a la carte, normalement. Ah, voilà. Donc on est où ? On est... je sais pas, quelque part en bas apparemment, et donc on doit revenir ici. Vous attendez sur les fameux, aidez-le à faire le passage. D'accord, passer le message, oui, mais c'est ça qu'on veut. Donc attends, c'est quoi ça? Événement public, on s'en fout. Ah, mais c'est quoi ça? C'est les trésors marqués. Ah, c'est les trésors. Il y a les trésors qui sont marqués sur la map. Je peux mettre des points? Je peux pas mettre des points. D'accord, donc les trésors sont directement marqués sur la map. Ok, putain, mais c'est grand, c'est grand. Donc direction là-bas. Donc attends, mais j'ai pas m'emmerder, on peut se téléporter là. Oui, voilà. Et petit truc de TP. Et puisqu'on a déjà dépassé, putain, on est déjà une heure et quelques. Oh là là, ça passe trop vite. Trop vite. Et il me reste aussi que 40 et quelques gigas d'espace sur le disque. D'accord. Bon, il va falloir qu'on termine la pizza. Ah mon dieu. Alors attends. Par là-bas. Ok, on a plein de stuff aussi, hein. On doit s'équiper et tout. C'est plein de bordel à faire. Donc bon, c'est dans le truc, hein. Mais d'accord, oui, c'est dans le... C'est là-dedans. Dans la cathédrale. Ah non, mais c'est commencé la mission. Mais non, j'ai terminé la mission donc alors. Ok, parfait. Alors voyons le stuff. 46. 53. Tir rapide. Impact élevé. Ça, je préfère. Mais vos gueules! D'accord, je jette ça à l'arrache. Putain, c'est dangereux ici. Un truc en rafale, d'accord. Je déteste la rafale. Après c'est puissant mais... Ok, c'est bon? Vous êtes calmé là? Vous êtes calmé. Donc non, le truc en rafale, non. Voilà, ça je préfère. Très bien. Donc démantelons toutes ces conneries. Bim. Et boum. Donc ensuite on a notre pistolet. 51, wow. 61, non mais là par contre il n'y a pas la tortille du cul, hein. Plus un fusil automatique. Et notre fusil à pompe 24-38. Ok, donc ça on garde. On a un casque 45-50. Voilà. Comme j'ai dit, pour l'instant on fait que s'équiper des trucs qui ont les plus de puissance, hein. Pas se mentir. Je sais pas si un système de craft, ça m'étonnerait, hein. 6. Bon, ça y est, on est déjà full vert quasiment. Bon, il manque le casque, mais bon, on est déjà full vert, on peut dire. On n'a pas level up, si, non? Je sais plus. Non, on n'a pas level up, je crois. Si, on a level up. Grenade incapacitante. Empêche temporairement les ennemis d'utiliser les capacités ou les attaques spéciales. Ouais, bah écoute. Mais attends, mais on peut pas débloquer le reste, hein, niveau 8.
D'accord, ça c'est le truc. Bah, écoute, on le débloque quand même. Hein. C'est pas mal, si, c'est fort quand même. C'est fort d'empêcher d'utiliser les capacités spéciales. Par exemple, l'autre qui se TP et tout, là, c'est casse-couille, tandis qu'avec ça, il pourra plus. Donc on va garder. Ok, ça on peut pas encore. On peut pas, faut être niveau 6. Un point d'amélioration, oui, je sais, mais il y a que ça par contre en level up. Enfin, je veux dire. Je sais pas. Niveau 5, ça fait quoi? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pour avoir tout ici, max. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que j'ai pas d'autres. On dirait qu'il y a que ça en point de trucs. Hein. Level 15, on dirait, maximum pour avoir accès à tous ces trucs. J'ai 15 jetons, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Bon, bah écoutez, j'ai ma super charge, c'est très bien, mais voilà. Alors, voyons cette arme. Oh, oh, j'aime bien. J'aime beaucoup le design. Putain, mais en fait, regardez sur le côté. Sur le côté là, il y a une jauge, genre d'huile ou d'essence ou je sais pas quoi, qui descend de flamme. Là, ça sec, hop, on recharge. Putain, elle est trop stylée cette arme. Avec la petite bubule qui bouge, blablabla, et qui descend petit à petit. Au fur et à mesure que le chargeur se vide. Ah, elle est classe. J'aime beaucoup. On va regarder. Qui a osé faire ça? Bon, faut que je teste. Ah oui, ça fait mal, oui. Ça fait bien, bien mal. Bon, le viseur part aux chiottes, mais ça fait mal. Bon, il sort ta tête, oui. C'est une bonne idée. Bon, bref, allez. Mais écoutez, les amis, sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, moi, je vais arrêter d'y jouer hein, pour l'instant, tant que j'aurai pas mis les deux vidéos en ligne. Donc, celle que vous avez vue précédemment et celle-ci. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, hein, ce que vous en pensez sur le jeu, même si là on n'a pas été dans des zones très belles comme le premier épisode, des zones un peu en mode solo où tu t'explores et c'est magnifique. Bon là c'est quand même stylé aussi, hein. C'est quand même bien très stylé et on va pas se mentir. Mais c'est pas exactement non plus le... What the fuck? Vous faites à popper ici vous? C'est pas non plus comme ce qu'on avait vu au tout début. Donc je vais vérifier juste un truc aussi tant que j'y pense. Hop, on va se mettre là. Est-ce que quand on regarde la map... Ah là, putain, c'est pas ça la map. Est-ce que quand on regarde la map, non, on est d'accord. Il y a pas l'air d'avoir, mais il y a un truc de quête en fait. Il y a pas l'air d'avoir le symbole. Donc on va juste aller voir. Apparemment sur la droite, il y aurait un symbole. On va jeter un œil. Un symbole de trésor. C'est ce que je veux dire. Donc on va voir. Vous allez mourir genre maintenant parce que vous commencez à. Donc là si je regarde la map, putain. Voilà, au nord il y a un truc, un trésor, on va aller voir. On va aller voir si en fait ça se désactive une fois que... Voilà, là il y a un symbole. Donc quelque part par là, il y a un truc. On est d'accord. Hein. Et par là, ben... Ok, j'ai vu. Mais ça suffit. On va récupérer notre arme la première là. Et en fait, je vais voir si le symbole disparaît une fois qu'on a récupéré le truc ou s'il reste toujours actif. Ce qui serait un peu plus chiant dans ces cas-là, parce qu'il faudrait mémoriser ce qu'on a fait ou pas. Mais par contre, c'est cool parce que ça te donne une espèce de chasse au trésor en mode voilà. Ah oui, cette arme, code 0. J'aime bien ça là. On envoie plein de balles en 2 secondes. Parfait pour quelqu'un qui sait pas très bien viser comme moi. Alors il y a des petits sursauts, hein, je sais pas ce que c'est là, petits. Sursauts de FPS. Des fois il y a des mini freezes, mais vraiment, hein, c'est juste plac, frame là qui saute. Chiantis girl! Elle est bien cette arme, vraiment bien. Ah oui, toi c'est un point dans ta gueule. Level up! Parapapara! Où est le monstre? Je l'ai pas tué le big boss. Ah bah si. Tiens, utilise ton pouvoir maintenant. Ah, on fait moins son malin hein.
Viens ici. Viens ici. Viens ici que je te dis. Voilà. Donc trésor ramassé, on est d'accord, hein, normalement. Ouais, ok. Plein de sous-sous. Et donc maintenant, secteur oublié, pillé. Parfait. Mais putain, mais j'appuie toujours sur start. Hein. Quel connard. C'est parfait, ça se désactive. Effectivement, c'est grisé. Donc génial, on connaît l'emplacement de tous les trésors. Ok. Mais il n'y aura plus qu'à partir à la chasse aux trésors. Hein. Croyez-moi que le prochain épisode, quand on le fera, ce sera ça, je pense. On va pas se mentir. Parce que c'est trop bien, en fait. On récupère plein de trucs. Donc là, on a quoi? Notre fusil à pompe. Fusil à fusion 73. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, je prends. Ça a l'air d'être la violence ultime. Ah, allez, le casque. Un casque. Yes! Voilà, full vert maintenant. Easy. Et on a level up. Merde, j'ai dit on a level up et je me casse. On a level up donc. Qu'est-ce qu'on débloque? Ça, le vol catapulté. Lorsque vous êtes en l'air, sautez pour activer votre catapulté et augmenter votre élan initial. De toute façon, on va le débloquer. On n'a rien d'autre à débloquer de plus. J'ai envie de te dire. Voyons. Hop. Bon, j'ai pas l'impression que ça change beaucoup. Enfin, si, ça a l'impression d'aller un peu plus haut quand même, ouais. Ouais, quand même bien plus haut. Attends, toi, bouge pas, j'ai un truc à tester. Ah, mais c'est chiant! Arrête de bonquer comme un con. Merci. Comme un con, hein. Ah, mais j'en ai plus! Oh, mais c'est nul! Putain! On a super joué, j'ai pas le droit de m'amuser avec. Ouais, tu disais. Bon, allez, cassons-nous. Cassons-nous et je vais arrêter cet épisode pour de bon parce que là. Ah, mais c'est chiant le truc qui te fait catapulter. Enfin, je veux dire, voilà quoi. C'est vraiment pour jumper plus haut, juste en fait. Ouais, ouais, ça te propulse direct comme un. Ok. Non, j'aime pas ça, par contre on va le changer. Je sais pas, c'est un peu bizarre ces trucs de saut là. Bon, apparemment ça a l'air de nous amener quand même très très haut. Je sais pas si ça va être pratique pour certaines missions ou des trucs comme ça, mais... Voilà. Hop. Non, voyons. Ah oui, quand même, ici ça amène très très haut. C'est une mine. Non, c'est de l'éclairage. Bon, ça suffit, Goltor, de jouer. On a dit qu'on arrêtait l'épisode. Il te reste plus de place sur ton. Ah, mais c'est peut-être ça aussi qui fait que ça plante. On va prendre des bons dégâts de chute quand même. Allez, je me casse. Je vais me casser là-bas en haut. Et on va s'arrêter cette fois-ci là pour de bon. Bon, mais c'est bien. Il y a plein de choses à faire en tout cas. Plein de choses. Alors, hop. On va changer ça de suite, comme ça au moins je ne serai pas... voilà, on va prendre ça, hein. J'aime bien ça, ce truc-là, juste. Vol élevé, vol contrôlé, c'est mieux. Catapulté, on s'en fout. Et la grenade incapacitante, ça c'est trop bien, ça par contre, on va pas se mentir. Et le reste, on verra plus tard, parce que je n'ai pas le level pour. Eh bien écoutez les amis, voilà, on termine cet épisode ici. J'espère que ça vous a plu, hein. On fait un petit peu de blabla maintenant. Mais c'est, on a pas mal avancé quand même, hein. On s'est bien équipé, on est niveau... 61 en puissance maintenant. Donc, voilà. Ouais, ça c'est bien mieux ça. Ça c'est bien mieux le truc. Et donc maintenant, ben, on va voir pour la suite. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, à laisser en com tout ce que vous avez comme retour sur le jeu, qu'est-ce que vous en pensez ou autre. Évitez les spoils par contre, hein, ça c'est pas cool. Ça fait vraiment chier. Bon, j'ai dit ça donc il risque d'y en avoir, mais c'est pas très grave. Parce que voilà. Moi je vous le dis, hein. c'est arrivé que deux fois je crois, mais s'il y a des gens qui sont en mode agressif, insulté ou comme voilà, ou qui font des trucs pas cool, je les banne de la chaîne, hein, c'est pas compliqué, je m'emmerde pas. C'est arrivé que deux fois. La première fois c'était un mec qui m'a dit ouais, espèce de noob, tu joues avec tes touches 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur WoW, bullshit, je sais pas quoi, j'étais à moitié what. Donc bon, les gens comme ça, il n'y a pas besoin de discuter avec eux. Mais voilà, donc évitez les spoils, et moi je vous retrouve dans le prochain épisode pour. Balancer des grenades sur la gueule des gens. Mettre des murs. Et avancer un petit peu plus dans l'histoire. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Et ciao, ciao.